On est ici dans le bureau d'Axel Bulgaria, donc au siège à Sofia. Je me suis intéressé aux grosses écoles d'ingénieurs en agriculture et agro-industrie. J'ai fait mes études à Beauvais pendant 5 ans. Les deux premières années, c'est une classe préparatoire avec un socle commun, plus 3 années de spécialisation, avec un stage en exploitation agricole. Et puis à la fin, on part à l'étranger, dans des plus grosses entreprises, découvrir d'autres univers. Pour réussir un entretien veilleux, il faut montrer beaucoup d'ouverture d'esprit, de curiosité et un intérêt pour l'international. Quand on signe un contrat veilleux, on a donc une indemnité de la part de Business France. On a aussi donc une mutuelle. C'est très facile et tout est fait pour bien se concentrer sur sa mission et sur sa vie dans le pays d'accueil. On est bien accompagné. Un veilleux, c'est un volontariat international d'entreprise. Ça permet à des jeunes Français ou étrangers, dans un cadre légal organisé par Business France et l'entreprise, d'accéder à un marché de l'emploi sur l'étranger. Je ne connaissais pas du tout la Bulgarie. Ma seule envie, c'était de partir de la France et de voir autre chose. Le VIE vient en appui des équipes locales, il n'est pas là pour les remplacer. Le but, c'est de créer une courroie de transmission entre le top management et les équipes locales. C'est gérer la multiplication des semences, un peu de commerce, un peu de marketing, de la communication. L'anglais est quand même très important dans ce genre d'expérience. C'est notre langue de communication de tous les jours. Et je suis en train d'apprendre un petit peu le bulgare, mais ça reste compliqué quand même. En Europe centrale, on est 5 VIE et grâce à la journée Discover qu'on avait fait avec Céréal en France, on a pu garder des liens amicaux et professionnels. Donc on a pu voyager dans les pays des uns des autres et on garde un lien assez fort. J'ai commencé par un VIE chez Axéral. Ça m'a permis de monter très vite en compétences. On apprend plus de choses, on a plus vite des responsabilités, donc ça nous amène à des postes plus intéressants assez rapidement. Il y a un avenir ici, après le VIE. Mon conseil, c'est pas trop réfléchir et y aller. C'est toujours une très belle expérience, puis ça nous servira ensuite pour plus tard.